Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère donc que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite astuce avec Alexa d'Amazon. Si vous avez déjà un compte Alexa, si vous avez installé Amazon Alexa sur votre smartphone sous Android, vous avez même d'ailleurs la possibilité de l'installer sous iOS. Une petite astuce sous Android permet de créer un widget et de déclencher notre ami Alexa directement par un petit tap et d'avoir accès directement à tout ce que peut nous offrir Alexa sur notre smartphone. Aujourd'hui, sous iOS, il faut entrer dans l'application et aller taper sur le petit bouton en bas qui est demandé à Alexa. Sous Android, on a cette possibilité de widget qui est vraiment pas négligeable. Quel intérêt d'aller mettre un widget sur votre écran d'accueil? Eh bien, ça sera un gain et de la rapidité puisque vous n'aurez pas du tout à aller chercher votre application. Le widget Alexa sera sur votre écran d'accueil et ça sera instantané. Le bouton demander Alexa sera sur votre écran d'accueil. Alors, la petite manipulation pour faire ceci. Vous êtes sur l'écran d'accueil de votre smartphone, je dis bien sous Android. Vous allez faire un pincement. Donc, les doigts écartés, vous allez les rapprocher au centre de votre écran. Le mode édition de l'écran d'accueil est activé. Page 2 sur 4 pages par défaut. Ce qui vous ramène à avoir cet écran. Sous cet écran, il y a plusieurs solutions. Fond d'écran, bouton. On peut choisir les fonds d'écran. Thème, Les bouton, thèmes, widget, bouton. les widgets, Paramètres écran d'accueil, bouton. où on peut paramétrer notre écran Double. d'accueil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les widgets. On rentre. Widget. Dans ces différents widgets, vous avez plusieurs fenêtres avec différentes possibilités d'insérer un widget sur votre écran d'accueil. Nous, ce que l'on désire, c'est mettre celui d'Alexa. Page 1 sur 9. Dossier 2 Amazon Alexa, 1 par 1. Alors, généralement, ils sont classés par ordre alphabétique. Et comme on entend, vu que j'ai installé au préalable l'application Amazon d'Alexa, elle se trouve sur la première page. Ici. Ici, comme je vous mets en gros sur l'écran, on a bien le symbole du rond d'Amazon Alexa. Amazon Alexa, 1 par 1. Double appui pour activer. Maintenant, quand je veux insérer mon widget sur mon écran d'accueil, je vais faire un double tap ou, pour les personnes qui ne se servent pas de Voice Assistant, un seul tap et laisser poser. Amazon Alexa, 1 par 1. Appui long, ligne 3, colonne 3. Une fois que vous avez fait ça, on a pu s'apercevoir que l'écran des widgets s'est fermé. On est revenu sur l'écran d'accueil de notre smartphone et on peut positionner notre icône Amazon Alexa où on désire. Élément déplacé, ligne 3, colonne 3, page 2 sur 5 pages par défaut. Ici, on a maintenant Demandez à Alexa. notre icône Demander Alexa qui est maintenant sur notre écran d'accueil de notre smartphone. Ceci va fonctionner bien entendu avec une tablette. Et maintenant, si je veux demander n'importe quoi à Alexa, je n'ai plus du tout besoin d'aller dans l'application, simplement ici. Alexa. Quelle heure est-il? Il est midi 23. Double appui pour activer. Quelles sont les dernières actualités? Voici votre flash quotidien. Dans l'actualité de Écran. West, les deux Corées vont supprimer 22 postes militaires à la frontière. 22 postes de garde installés le long de la frontière entre les deux Corées vont être supprimés. Cette décision intervient dans le cadre de l'accord conclu le mois dernier à Pyongyang et qui prévoit de mettre fin à tous les actes hostiles entre les deux pays. Séoul a en revanche annoncé que On peut donc, par exemple, par ce simple widget, déclencher Alexa comme on le désire et à n'importe quel moment. Quelle est la météo de la semaine à Paris? à Paris pendant les 7 prochains jours, samedi, 9 degrés et des nuages par intermittence. Dimanche, 7 degrés et des nuages par intermittence. Lundi, 7 Retour degrés avec touche. des averses. Mardi, 9 degrés et des nuages par intermittence.
Programme un rendez-vous pour mardi prochain, démonstration braille à Paris. D'accord. Quel jour et à quelle heure? Mardi prochain, 9 h. Est-ce 9 h du matin ou du soir? Du matin. Et quel est le nom de l'événement? Démonstration matérielle. Je vais programmer démonstration matérielle à Paris le mardi 30 octobre à 9 h, d'accord? Ok. D'accord, je viens de l'ajouter. Voilà, donc par exemple, après ce rendez-vous, si je lui demande, Demandez à Alexa. est-ce que j'ai des rendez-vous la semaine prochaine? Il y a deux événements la semaine prochaine. L'événement démonstration matérielle est programmé le mardi 30 octobre à 9 h et l'événement, vous avec Julie au spa, est programmé le mercredi 31 octobre à 2 h. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est assez sympa et d'avoir ce widget très rapide d'exécution. On peut donc déclencher les jeux, en fait, tout ce que l'on fait avec notre enceinte Amazon, mais sur notre smartphone sous Android. Faites un tour dans vos widgets et voyez ceux qui peuvent vous intéresser pour qu'ils soient sur l'écran d'accueil de votre smartphone ou de votre tablette sous Android. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez donc à la partager, à la liker et comme d'habitude, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Salut à tous!